ce vendredi 30 avril, Esme Bianco a porté plainte contre Marilyn Manson, l'accusant de viol, abus sexuels et violences répétées. D'après la plainte déposée auprès d'un tribunal de Californie, l'actrice britannique de 38 ans avait été invitée à Los Angeles à deux reprises, par Brian Warner, de son vrai nom, dans la perspective de la faire jouer dans un clip qui n'est jamais sorti et un film qui n'a jamais été réalisé. Elle dit avoir à la place subi des actes de violence sexuelle, affirmant notamment avoir été tailladée, fouettée et électrocutée par l'ex de Dita Fontes. M. Warner a violé Madame Bianco en mai ou autour de mai 2011, pouce, peut-on lire dans la plainte. Monsieur Warner a commis sur Madame Bianco des actes sexuels alors qu'elle était inconsciente ou incapable de donner son consentement et a aussi commis des agressions sexuelles sur Madame Bianco à de multiples reprises. Elle a expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle avait pris la parole publiquement pour empêcher l'interprète de The Golden Age of Grotesque de détruire d'autres vies et contribuer à ce que d'autres victimes puissent aussi demander leur part de justice. L'avocat du chanteur de 52 ans, Howard King, a déclaré à l'agence France Presse, AFP, que les accusations la plaignant étaient probablement fausses, pointant du doigt des demandes financières scandaleuses pour des comportements qui n'ont tout simplement jamais eu lieu. Nous allons fermement contester ces allégations devant le tribunal, a-t-il indiqué dans un communiqué. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Esme Bianco, fan de Marilyn Manson lors son adolescence, est apparue dans 14 épisodes de la série Game of Thrones. Entre 2011 et 2013, elle endossait le rôle d'une prostituée répondant au nom de Ro. Cette dernière n'est pas la seule à avoir pris la parole puisque plusieurs femmes, dont l'actrice Evan Rachel Wood, ont accusé la star de harcèlement et de viol. Bien que lâché par sa maison de disques, il avait démenti ses allégations, assurant que ses relations intimes avaient toujours été entièrement consenties. En février, le comté de Los Angeles a annoncé que Marilyn Manson faisait l'objet d'une enquête sur des allégations d'agression sexuelle. À voir également, Emilia Clarke, voici 5 faits insolites sur la star de Game of Thrones. La rédactionnelle lire aussi laisse bloc ADS.